Ce que vous allez entendre maintenant, jamais vous ne l'avez entendu. C'est l'émission rap numéro 1 en France. Planète rap. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Planète rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap plus JPK. Passez une bonne soirée et bienvenue. On est sur Skyrock et la seule prétention que l'on a jusqu'à 21h, c'est juste vous apporter du bon son. Vous faire passer un bon petit moment de déconfinement avec la musique. Et voilà, de kiffer juste pendant une petite heure avec Lou JPK. Comment ça va ce soir? Super, et toi? En pleine forme. Toujours bien. On se régale cette semaine. Non seulement il y a le projet qui arrive le 15 mai prochain. C'est ça. C'est le premier EP de Lou JPK avec carrément 9 morceaux dessus. Mais en plus. Lui-même. Et en plus de ça, il y a un bonus. Et quel bonus? Et quel bonus? Depuis lundi dans l'émission, on a le droit à des titres inédits. C'était le cas hier soir encore avec 2 titres inédits. Ce soir, tu nous feras aussi un morceau, je crois, de prévu. Peut-être même une surprise aussi, il me semble, non? Un morceau de PEK en plus. Voilà. Et une surprise. Et une surprise. J'en dis pas plus. Mais moi, je suis pas au courant. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas au courant vraiment. On parle peu. Parlons peu, parlons bien. Restez avec nous, en tout cas, vous serez pas déçus ce soir avec Lou JPK. Et je rappelle donc qu'il y a le EP qui sortira vendredi, mais dont les morceaux sont disponibles le soir à partir de 21h. Dès que tu nous le fais sur Skyrock, après, il est dispo en streaming. C'était le cas pour déjà les 3 titres que tu nous as fait en exclu. C'est ça, on en a 3 du coup de sortie là en stream. Et du coup, celui de ce soir s'ajoutera à la liste et ce sera l'avant-dernier du coup. Un régal, restez avec nous ce soir, c'est le Planète Rap de Lou JPK et on attaque comme chaque soir avec Pala Palaba. Allez, c'est pas grave, donc balancez la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Je retrouve des francs dans mon fuite et du sang sur mon pull. Prends pas exemple sur la foule, on dira que je le fais pour la culture. Eux n'en ont plus rien à foutre, hein. Un rire qui glace le blood, hein. Je suis petit face à mes doutes, hein. Plus bon qu'à mettre des coudres, hein. Jusqu'à ce que frappe la foudre, hein. Je perds trop de potes dans la fumée. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Maintenant, il va falloir assumer. S'il te plaît, ne crois pas tout ce que dit la guitare, babe. Mais qu'est-ce que t'avais dans la cervelle? Je veux pas t'apprendre à te faire belle. Au fond rien n'est éternel, je crois qu'au fond rien n'est éternel. J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? La putain de Sarah, c'est comme ça, c'est la vie. Va voir ailleurs, j'suis ni là ni là-bas. D'ailleurs, j'sais pas ce que t'irais foutre ici. Au début, c'est marrant, puis ça fait des ravages. J'suis remonté à bloc, j'allais sortir de l'asile. Et j'ai croisé le diable par pur hasard. Elle me dit que le Prada, c'est pour les autres filles. Qu'ensemble, on allait nettoyer ce bazar Kenobi. J'donne à ce fort d'Obi-Wan Kenobi. Dis-moi que tu la sens aussi, hein, tu la ressens aussi, la tristesse dans ta ville. J'm'assois au fond et j'regarde comme un avare dans le strip club. S'il y a que la pluie qui peut cacher tes larmes, pourvu qu'il pleuve. Ouais, je suis pas ici, pas là-bas. Si les mots sont des armes, je chanterai la papa papa. J'ai vu le logo comme un prime sur une pilule d'extra. Le JPK sur Instagram, trop follow sans faire d'histoire. J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? J'suis pas là, pas là-bas, pas là, pas là-bas, zut. MD en para, MD en parachute. Pas là par hasard, balancer la suite. Par quel chemin t'iras quand tu prendras la fuite? Voilà, Pala Palaba. À l'instant, c'est extrait du projet qui sort le 15 mai. Celui-ci est déjà dispo, hein, le Pala Palaba, on peut y aller. Ouais, c'était le deuxième extrait. C'est quoi? C'était le yaourt, le Pala Palaba? Quand on pose un morceau, généralement, on fait les yaourts. Ah, je fais pas trop de yaourt. Tu fais pas de yaourt, toi? Ah, c'est ce que je veux dire. Ouais, il est pas arrivé. Non, je trouve que c'est un onomatopée qui a du sens, tu vois. T'as vu? Comme le papa outé de Stromae, ouais, tu vois. Exact. Et j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Et c'est ça, ça colle bien au mood du morceau, quoi. Dans le même genre, dans le projet, on a aussi un Rampalampam. Rampalampam. Aussi, hein, dans le même genre aussi. Dans l'esprit. Dans l'esprit son de bouche. Voilà, c'est ça. Dans l'esprit très simple à dire en radio. Rampalampam. Voilà, Rampalampam. Un petit peu d'entraînement en même temps, on y arrive, hein.
L'UJPK, c'est le 15 mai, c'est la sortie. Ça. Et alors, vous pouvez pas louper aussi, il y a un très joli logo. C'est toi qui, il paraît que c'est toi qui l'as dessiné, tu l'as là. Ouais. Sur, pour ceux qui ont les images, c'est. Premier t-shirt, c'est... le seul qui existe pour l'instant. Ah, c'est le seul t-shirt qui existe pour l'instant, c'est le tien. Ouais. C'est celui-ci. C'est le mien. Donc, pour les... alors, pour ceux qui n'ont pas la radio, c'est quoi ? C'est toi ? C'est. C'est un autoportrait. C'est un autoportrait, voilà. Un peu cartoonesque, quoi. C'est ça, moi si j'étais un dessin animé. Il y a les cheveux longs, il y a les grands yeux bien ouverts, il y a une petite bouche. Petit sourire malicieux. Le nez, non. Non, pas de nez. Non, pas de nez, pas besoin. Je suis resté simple. Non, là, comment là, il naît ce petit logo, ce petit autoportrait plutôt ? En gros, c'est mon poteau Chaps qui fait tous les designs, qui faisait tous les designs, le logo, etc. Mm-hmm. de Columbine, qui m'a dit, gros, il te faut un logo. Et à ce moment-là, il m'a dit, dessine-le tout de suite. Et du coup, j'ai griffonné. Tu n'y avais pas pensé ? J'ai griffonné. Pour toi, non, parce qu'il me l'avait dit comme ça, en mode, je sais pas, il me dit, vas-y, fais ton logo. Je sais même plus ce qu'on faisait. On discutait, il me disait, dessine ton logo, et j'ai fait ça. En mode à main levée, je suis pas un grand dessinateur, tu vois, mais j'ai fait, hey, c'est cool, moi j'aime bien cette vibe, voilà, dessin animé en mode South Park un peu, et voilà quoi, genre. Ouais, il est plutôt réussi. On a validé, je l'ai envoyé aux gens sur Insta. Il y a eu plusieurs essais ou pas ou... Non, c'est juste un dessin comme ça, ensuite on l'a. Non, mais en dessin, tu l'as fait plusieurs fois ou j'en ai essayé deux, trois. Et celui-là, voilà, moi je voulais ça, tu sais, je me suis dit, ok. Des fois, quand un truc est bien du premier coup, faut le garder. Ouais, faut garder, j'ai saisi, ouais. J'ai envoyé aux gens sur Insta. J'ai dit, c'est mon logo, autoportrait. J'ai dessiné ça. Ça a été validé. On m'a dit, let's go. J'ai dit, est-ce qu'on le met sur un t-shirt ? Et voilà, j'ai un peu interagi avec les gens. Et l'histoire de ce t-shirt, c'est que j'ai fait un mini montage, genre juste pour dire, est-ce qu'on en fait un t-shirt ? Où j'ai plaqué le logo en frontal, tu vois, en gros. Et tout le monde m'a dit, non, fais-le en cœur et en gros sur le dos, tu vois. Je fais, ah putain, je sais pas, j'avoue, j'aime bien les t-shirts comme ça, mais la question mérite d'être posée, quoi. Du coup, j'ai fait un sondage Insta. Je suis très Insta, ouais. Confinement, on utilise les réseaux. Je vois qu'en ce moment, c'est un petit peu comme tout le monde. Et à plat de couture, celui-là, il y a eu 20 000 votes, il voulait celui-là, tu vois. J'ai fait, ok, vas-y, le peuple a parlé, on envoie celui-ci, il est. Donc, il y aura les t-shirts aussi, on va. Ouais, on est en train de voir pour les sortir, les t-shirts, le pull que j'avais lundi aussi. Et voilà quoi, un peu de textile. Bon, on rappelle qu'il y a le store aussi, on peut tout trouver, hein, et on peut aussi d'ailleurs précommander. N'hésitez pas à précommander parce que si vous précommandez, et alors moi franchement, c'est comme il se fait chier en ce moment le JPK, bon là ces derniers temps il a pas mal bossé, mais comme à partir de maintenant ça y est tout est fait, il y a eu l'EP, il y a eu le pour le Planet Rap, donc là il va s'emmerder sur les prochaines journées, je vous le dis, sur les prochains jours il va s'emmerder. Qu'est-ce que je vais faire ? Il a besoin d'avoir beaucoup de demandes, beaucoup de précommandes pour dédicacer un maximum d'EP. Donc c'est ça. N'hésitez pas à précommander parce que si on précommande sur ton site. On l'a dédicacé en gros sur une pochette alternative. Voilà, donc et n'hésitez pas, vous voulez la dédicace. CD. Voilà, pensez à ce jeune artiste quand même qui se fait chier à la maison, tout comme nous tous parfois, on est là à tourner en rond un petit peu à la maison. Toi, à un moment, tu vois, là, tu vas dédicacer. Ah, j'ai mon passe-temps, c'est bon. Là on peut être confiné 2 mois de plus, c'est carré. Allez sur le site, c'est quoi le site ? Rappelle-nous. C'est l'UJPK Store. Et je précise aussi, parce qu'on fait avant tout de la musique, qu'on lit aussi aux précommandes le PPEK là, que je présente cette semaine. Le P surprise que j'ai fait la semaine dernière, spécialement pour ce moment. Et pour le textile, pour les fringues, tout ça, les t-shirts, t'as une idée quand ils débarquent ? Je sais pas, très prochainement, je crois. Donc prochainement. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, on est dessus. Guettez le site, c'est l'UJPK Store. Ouais. Allez faire un tour dessus et vous pouvez le faire chier, lui demander plein de dédicaces. Faites-vous c'est plaisir. Le moment que j'aime de précommander l'album. Le projet, j'allais dire album. En tout cas, le EP. Le projet, ça, pour résumer. Voilà. On balance la lune ? Ah, ça chaud. C'est un des titres inédits que tu nous as fait en live lundi, ouais. Il me semble dans l'émission. C'était lundi, il est dispo aussi pareil en streaming. C'est sur la partie PK. C'est parti. Et on le balance tout de suite la lune. Et je n'irai pas sur la lune. Pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre, douche on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire, je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. Et je n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre, douche on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un alter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire, je suis bon qu'à claquer des thunes. Regretter ce que j'ai fait la veille. La stripeuse me dit que je suis cute, c'est que ça dure un match de foot. Tape dans un mur, ça défoule, comme quand je fais bouger les foules. Ça va, ça vient, ça défile, sinon à part ça les filles. Il est peut-être temps que je profite, vu comme le succès c'est fini. Je pars sur LA en exil, on me fait du chantage au suicide. Le Prada est sur la coudoir, le diable est en barésie.
Le prix d'un menu en pourboire, c'est ma conception du pouvoir. Va te faire enculer si t'es venu que pour voir. T'as l'homme entre les coups durs, les coups bas. Et j'ai mis de côté mon éthique, tu ne l'as pas ressenti, j'en parlerai dans un titre. Tu feras le miskin, mais c'est pas dramatique. Ce qui t'arrive, tu mérites. Ah bon, j'suis pas dans le thème. Moi j'me comporte comme un vrai mec, mais le reflet dans mon verre dit que j'me comporte comme une vraie merde. Puis j'n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre. D'où j'suis, on dirait des dunes. J'vais la soulever comme un halter, même si aujourd'hui c'est dur. J'te promets que demain ça va le faire. J'suis bon qu'à claquer des thunes, regretter ce que j'ai fait la veille. Et j'n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre. D'où j'suis, on dirait des dunes. J'vais la soulever comme un halter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes, regretter ce que j'ai fait là. Quand on alter, pas un trop lourd quand même. Nous j'ai bien content qu'on aime. J'ai les yeux rouges de colère, pas les yeux rouges de pollen. Ma confiance en moi c'est du vernis. J'ai peur de l'échec et tout se termine. Ok j'l'avoue tu m'as cerné. Avec les films je suis timide. Et je voudrais le costume du méchant. D'à peu près tout je suis méfiant. Je fais canaliser mes sens. Je voudrais canaliser mes songes. Ouais je m'en tapais aux problèmes. Si je finis seul, je ferai pas l'étonner. J'en ai assez d'être honnête. Quand t'es honnête, tu fais rien décoller. Mes souvenirs ont l'odeur de stup. C'est notre exutoire dont on s'exécute. Et je sais qu'on peut faire plus que traiter les meufs de putes. Bref, je raconterai toujours les mêmes choses. Je vais pas m'inventer de belles causes ou m'enfermer dans le mauvais rôle. Là, c'est qui part, je peux plus faire pause. Et quand j'irai sur la lune, ça sera pour la traiter comme la terre. D'où je suis, on dirait des dunes. Je vais la soulever comme un halter, même si aujourd'hui c'est dur. Je te promets que demain ça va le faire. Je suis bon qu'à claquer des thunes, regretter ce que j'ai fait la veille. La veille, la veille. Sur la lune, je suis on dirait des dunes. Même si aujourd'hui c'est dur, je te promets que demain ça va le faire. Voilà donc ce très beau morceau que tu nous as fait en live lundi dans l'émission qui est dispo en streaming, qui est dispo aussi sur la chaîne YouTube de Skyrock pour retrouver le live et qui sera donc dispo vendredi sous le nom PK. C'est ça. P-O-K. Voilà. On pourra projet. Streamer fort et on peut déjà streamer fort pour retrouver ce morceau qui s'appelle La Lune. Nous allons faire une petite interview chrono si tu veux bien maintenant. JPK, tu vas voir, c'est simple. Un petit conseil. Je balance des mots, il faut que tu ailles très vite. Très okay. Très vite dans la réponse. T'es okay, plutôt un mec vif toi, non? Bah, je suis un peu. Tranquille, dans la force, ouais, tranquille. Ouais, j'ai pas senti, genre, quand je te demande, c'était vif. Ouais. Vas-y, t'inquiète, reste focus. Allez, on y va, c'est parti, interview Chronos, on y va. Un album. 808, NR Break de Kanye. Un film. Tu peux dire passe, hein, s'il y a des moments où ça vient pas, tant pis, ça va. 90s de John Lyle. Un animal, une bête. Un serpent. Une chaîne YouTube. Celle du règlement. Une série. Validé. Bien, très bon choix. Un souvenir de Rennes. Un souvenir de Rennes, le grec de Breaking. Un morceau de Columbine. C'est pas grave. Un conseil que je ne suis jamais. Toi? Non, toi, un conseil que tu suis jamais. Si on t'a fait des conseils dans la vie, tu le suis pas. Tu devrais plutôt poser comme ça, nanani, nanana. Okay. Okay. Une position. Levrette. Ah, bien, carrément, on y va en même temps. Ouais, puis mieux une position debout, assis, allongé. Non, non, le vrai, très bien, très bien. En gros, t'as dit rapide, rapide, rapide. Un sport. Vas-y, moi je suis pas sport, basket. J'ai fait du basket une fois. Un coiffeur. j'en ai pas zéro. Et puis en ce moment. Aucun conseil. Ce ouais, personne va comme toi là. C'est pas le moment. C'est toi ton propre coiffeur. Ah ouais, moi j'ai tout rasé. Boula Z. Un beatmaker. S2 Keys. Une insulte. Nique ta mère. Un plat préféré. Le dernier que j'ai mangé. Putain, je sais pas, moi je sais pas. Vite. J'ai un trou. Bah, tu peux dire je passe. Un couscous. Ah, un couscous, bien. Un truc qui t'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? Ah, oh, y a. Qu'est-ce qui m'énerve? Le confinement. Ah, tu m'étonnes. Ton meilleur titre. Château de sable. Sorti. Ton pire morceau. Société secrète. Et enfin, ton surnom. Louge. Enfin, pour, j'allais dire, c'est à l'avant-dernier, donc le surnom Louge. Et le mot de la fin. Fred. Merci. Oh, c'est sympa. Je pensais que tu aurais pu me dire
Rogi, sorti le 15 mai. Ça aurait pu être très bon. Alors, t'as dit un mot. Je vais te le faire. Un mot. Oui, ah, c'est vrai. Ça, on a fait assez de promo là. C'est vrai. je vais te le refaire. Mais le 15 mai, sorti de Luigi. Luigi PK a pas loupé. Il est là avec nous tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Okay. Avant de passer au live, ce sera d'ici quelques minutes. On a un petit peu de temps. On l'a dit, peut-être une surprise aussi. Peut-être. Est-ce que ça se précise, tu sais, ou pas? Si ça se précise ou si. Il y a un truc qui est sûr à 70%. Ah, donc ça nous laisse quand même 30% de... De doute, il y a encore un peu de doute. Il y a encore un peu de doute. Mais il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose, mais il se passe toujours quelque chose avec toi tous les soirs, puisque déjà on a des titres live inédits. On peut dire d'ailleurs le nom du morceau que tu nous feras en live inédit tout à l'heure. Ce soir, ce sera Roxane. Roxane, très ouais. Bien. Eh bien, ne bougez pas, c'est dans un instant, mais juste avant, on écoute Chambre 112. Cool. Rejoins-moi, je suis dans la chambre 112, je suis dans la chambre 112. Besoin de toi, comme les oiseaux sans tout, j'écoute du rap sur SoundCloud. Idée noire, là j'en ai fan, la fame, j'en ai plus rien à foutre. Aidez-moi, et si un jour je fail, de ta présence je doute. Rejoins-moi, je suis dans la chambre 112, je suis dans la chambre 112. Besoin de toi, comme les oiseaux sans tout, j'écoute du rap sur SoundCloud. Idée noire, là j'en ai fan, la fame, j'en ai plus rien à foutre. Aidez-moi, et si un jour je fail, de ta présence je doute. C'est ça la vie, un jean à 500 boules, sniffé dans les chiottes. En douce, tard la nuit, je repensais à nous, mais c'était pas de l'amour, mon ami. Parfois je suis dur, je sais, mais je veux pas te perdre. Lunatique, je t'aime autant que je te déteste. Je suis pas pote avec un tel ou avec lui. Je suis là, je fais mes affaires, je suis retourné chez ma mère. C'est ça la vie, ma tête tourne comme la terre. M'appelle pas pour de la merde. Je fais un disque enfermé dans ma chambre, un long soir de décembre. Mes trucs à dire, je les maquette, les assemble. Depuis qu'on est plus ensemble. Rejoins-moi, je suis dans la chambre 112, je suis dans la chambre 112. Besoin de toi, comme les os sur SoundCloud, j'écoute du rap sur SoundCloud. Idée noire, là j'en ai fan, la fame, j'en ai plus rien à foutre. Aidez-moi, et si un jour je fail, de ta présence je doute. Rejoins-moi, je suis dans la chambre 112, je suis dans la chambre 112. Besoin de toi, comme les os sur SoundCloud, j'écoute du rap sur SoundCloud. Idée noire, là j'en ai fan, la fame, j'en ai plus rien à foutre. Aidez-moi, et si un jour je fail, de ta présence je doute. Pourquoi faire le tour de la terre quand j'étais toi sous la couette? En ce moment, RAS, donc j'parle de ma belle. Pourquoi faire le tour de la terre quand j'étais toi sous la couette? En ce moment, RAS, donc j'parle de. Rejoins-moi, je suis dans la chambre 112, je suis dans la chambre 112. Besoin de toi, comme les os sur SoundCloud, j'écoute du rap sur SoundCloud. Idée noire, là j'en ai fan, la fame, j'en ai plus rien à foutre. Aidez-moi, et si un jour je fail, de ta présence je doute. Rejoins-moi. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Chambre 112 qu'on écoutait à l'instant, un des morceaux que t'aimes bien celui-ci, hein, le Chambre 112. Hein. Ouais, je le kiffe bien. Tu l'aimes bien celui-ci, je vois qu'il revient souvent celui-ci. Ah, celui-là, j'aime bien. Ça, c'est un petit morceau qu'on aime bien. Dans un instant, vous écouterez peut-être aussi, alors si vous n'étiez pas là, c'est quand? Hier soir, août 2008, c'était hier soir. Hein. Hier soir, on a fait août 2008 et Die. Voilà, donc on va pouvoir écouter la version studio, la version enregistrée à la maison. Ok. Pendant le confinement. Exact. Version enregistrée chez toi, avec tes petits matos, machin. Elle-même. Tout était câblé et donc le morceau août 2008 qui est déjà disponible celui-ci. Hein. Je rappelle, on peut aller streamer, on peut y aller. Ouais. On peut le trouver. Août 2008 qui est un bon pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui est un petit revival, un petit souvenir d'un été qui se passe. Un petit mood d'été. On s'y retrouve. Comme on a envie d'ailleurs d'être vite à cet été 2020. Ça nous fait sortir. Ah putain. On nous fait sortir de la quarantaine. Ah ouais, je te jure, franchement. Août 2008, à écouter dans un instant, ne bougez pas, c'est le retour de Luigi PK. Le 15 mai sortira Luigi. C'est le premier projet de Luigi PK en solo. Et c'est ce qu'on écoute dans un instant. On écoutera donc août 2008 sur Skyrock juste après ça. Planète Rap. 20h-21h sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap, Luigi PK. J'ai
Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai ridé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai ridé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. Juste la nostalgie d'un été. Je mettrai ce qu'il faut sur tes plaies. Du paradis sous tes pieds à la fatigue sur tes plaies. Je suis sur messagerie en effet. Je peux pas te raconter les faits. C'est ma voix sur bande FM. Où ce que je suis qui te fait de l'effet. Pourtant le rose ne pousse pas sur la scène. C'est pas tout le temps les autres. Parfois faudrait que l'intègre. La nuit est mauve et tes remarques sont vaines. On est devenus des hommes et je filmais pas, faut la refaire. J'ai pas su transformer, c'est quand je suis comme ça, faut me laisser. Juste un vieux loup solitaire, club au bec roule sans m'y perdre. On les maltraite trop, c'est qu'on aime, c'est plus qu'un nuage dans le ciel. Graines de café dans le sel, ça me fait plaisir que tu te rappelles. Pourtant le rose ne pousse pas sur la scène, c'est pas tout le temps les autres, parfois faudrait que l'intègre. La nuit est mauve et tes remarques sont vaines. On est devenus des hommes et je filmais pas, faut la refaire. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai ridé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. Je mettrai un dernier coup d'épée dans le lac de mes peines. Et j'ai ridé tout l'été avec la même fille sur la selle. Je détruirai mon havre de paix. La même vie que vous, j'ai la flemme. La même vie que t'as la flemme, même si c'est sombre derrière la scène. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Louji PK, notre invité tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h, le morceau août 2008 à l'instant sur Skyrock. Yeah. Est-ce qu'il faut justement, parce que là on parlait de ce morceau qui a été réalisé pour le coup au moment du confinement, est-ce que il y a certains sujets qui te viennent particulièrement en ce moment, est-ce qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu as envie d'écrire? Ah bah là il y a un esprit de solitude un peu quand même, qui je pense qu'il se fait ressentir aussi dans les sons, que j'ai fait là du coup pendant ce confinement. Ouais, il y a une mélancolie, moi je trouve que c'est un peu... Toi qui est justement, oui, qui a déjà ce côté mélancolique. Ça je te dis, ça me met dans mon, dans ma zone que j'aime bien, la zone que j'aime bien pour écrire, c'est celle où je suis un peu seul chez moi, voilà, dans ma bulle vraiment, et là on l'est vraiment à 100%, c'est pas qu'une image, quoi, genre on se doit de rester chez nous, donc ouais, ça a été facile un peu d'écrire sur ces prods parce que ça collait bien à l'ambiance générale, quoi. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels tu te sens pas du tout allé ou t'as déjà tenté d'ailleurs certains thèmes et puis finalement non? Ah, je sais pas, je me suis jamais trop posé la question. Je me mets pas trop de barrières dans le sens où, comme je te dis, j'écris de manière assez intuitive et il y a toujours un thème, mais c'est de façon large. Genre, c'est rarement un son sur un son sur truc. Un thème. Ouais. C'est plus après, tu vois, quand on en discute, je peux t'expliquer l'état d'esprit du son et comment j'ai écrit, mais. Non, j'avoue, je sais pas s'il y a des sons que j'ai. Des trucs ouais, sur lesquels tu te sens pas d'écrire, des choses ou voilà, ouais, ou que t'as essayé, ouais. Peut-être même d'ailleurs essayé. Je sais pas, tu vois, par exemple, je fais beaucoup de sons, ça parle d'amour, de plein de choses comme ça dans mes sons, mais jamais à 100%. Et j'ai jamais fait, par exemple, le fameux son qui parle d'Ungo. J'allais justement te demander, c'était la prochaine question, j'allais te demander, ouais, est-ce que, voilà, une vraie chanson d'amour, est-ce que c'est un truc que tu pourrais faire, que t'aimerais faire? Bah je pourrais le faire, mais j'aime bien l'amener plus subtilement en le mélangeant à d'autres choses dans un son en fait. J'aime bien quand il y a plusieurs lectures d'un même son. C'est comme le morceau Roxane que j'ai fait hier et qu'on va découvrir en live. Tout pas, ouais. Ah oui non, hier je l'ai pas encore fait. Roxane c'est ce et soir. Et c'est ce soir Roxane. Fond, mais fond. Oui c'est ce soir. Et du coup je vais faire un morceau qui s'appelle Roxane qui comme ça pourrait paraître. Enfin souvent le morceau qui a le prénom d'une fille c'est le morceau plus bah oui. Et tout. Et celui-là il très ouais il
traite de ça, mais aussi de plein de types de relations, de plein de choses. Je vais un peu. Et alors, c'était cet exercice justement d'avoir un seul thème et d'en faire un seul titre. Bah, à faire, mais je l'ai fait sur les morceaux qui arrivent aussi. Et ça, ça fait partie de ma liste de trucs pour me. tu vois, pour. À développer pendant. Ouais, pas à développer pendant le confinement. Pendant le confinement ou pendant le déconfinement aussi. Non, mais ouais, voilà, c'est ça. Faut toujours sortir de ces zones de confort parce que sinon, tu fais tout le temps la même chose et. Et je sais ce que j'ai pas fait encore. C'est quoi d'ailleurs, tu vois comment un petit peu sur les prochains mois? Alors c'est vrai qu'on est tous un peu perdus d'ailleurs, on sait pas trop. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est vrai, une période qu'on découvre tous en même temps. C'est au jour le jour. Hein. Au jour le jour. Mm-hmm. Mais toi, idéalement, c'est quoi? Donc il y a la sortie, le EP, c'est aller très vite aussi normalement sur scène. Ouais, parce que moi, du coup, ma tournée, elle a été reportée. Mm-hmm. Normalement, on sortait l'EP et on suivait direct avec les concerts qu'on avait commencé à préparer. Mais du coup, on a reporté quelques dates avant l'été. Il reste quelques festivals, mais le gros de la tournée est déplacé à septembre. Donc, être sur scène seul ou presque? Bah ouais, c'est le presque. Nouveau... Parce qu'il y aura DJ. Ouais, il y aura DJ. Et pas que d'ailleurs. Et pareil, pas que. Je reste un peu flou là-dessus voilà, parce que j'attends que les gens viennent voir aussi le show qu'on est en train de préparer. On veut faire quelque chose aussi de différent par rapport au concert de Columbine et tout ce qu'on a fait avant. Mais même s'il y a eu parfois des moments solo que tu joues, ouais. Que t'as joué déjà sur scène. Ah ouais, des morceaux solo, je sais en faire, mais. Tu sais en faire, mais est-ce que sur scène, voilà, c'est tenir sur tout un concert, c'est quoi? C'est. Ben, c'est aussi pour ça que on repart sur des plus petites jauges, que je viens tranquillement m'essayer aussi à cette nouvelle ambiance, quoi, être tout seul sur scène. Et j'ai hâte en vrai, parce que. Et ben, on a tous hâte, en tout cas, d'être déconfiné, d'aller te voir en concert, franchement. Franchement, on a tous hâte. J'ai travaillé l'endurance, quoi, c'est. C'est ça. Tu veux des conseils sportifs? Bah, vas-y, un grand costaud comme toi. N'hésite pas à me demander. Je te préparerai une petite fiche, tu vas voir. Ok, let's go. On écoute Aou. Ok. Alors, ça, Aou, on le connaît déjà ce morceau, hein, pour ceux qui te suivent aussi. Ouais. Il est dispo celui-ci en streaming, mais il sera dispo le 15 mai sur l'UJ. Premier extrait de l'UJ d'ailleurs. Ça a été le premier extrait, oui, celui-ci. Ouais, premier clip. Et bon, on l'écoute maintenant. Aou, Aou, Aou. Tous mes rêves dans la trappe, cœur. Qu'est-ce que je fais encore dans ce club? Et qu'est-ce que vous me voulez? J'ai la sincérité d'un acteur. Je te ferai plus de mal que de peur. Raconte-moi ce qu'il a fait, que je perde mon sang-froid. Oh my, je suis plus rien sans toi. Bon qu'à faire les 100 pas. Rester en bas, c'est l'enfer. Je veux régner sans être roi. Fut un temps je rêvais d'être là. Mais je suis solo à ma table. Sous l'eau j'étais un bâtard. Puis vous m'avez chez là. C'est la revanche des nerfs. Traîne dehors comme un zonard. Et pleure comme Solar. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Aou, aou, aou. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Aou, aou, aou. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Aou, aou, aou. J'ai fait des croix sur la carte. J'ai fait des croix sur la carte. Où je suis, j'ai froid mais je veux pas partir. Le club ferme dans un quart d'heure. Je redeviens moi-même à la sortie. Pourquoi personne n'a su répondre? C'est comme le tonnerre que les basses rondent. En pleine valse des ondes, c'est surnaturel, tout est sombre. On se dit que le cœur a ses raisons, j'ai son ADN sous les ongles. Je mets la capuche, tire le cordon, je suis au fond du club. Et c'est pas qu'une question de time. Si tu t'en vas, je reste, je suis dans l'ivresse, je suis dans l'invraisemblable. Et c'est pas qu'une question de time. Si tu t'en vas, je reste, je suis dans l'ivresse, si loin du vrai monde. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Aou, aou, aou. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Aou, aou, aou. Capuché dans le club, hey. Cache les blessures de guerre. Aou, aou, aou. Les yeux rivés sur le sol, hey. C'est comme ça qu'on est sincère. Aou, aou, aou. Aou, 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 à l'instant, l'UJI PK. Et on peut le dire aussi, parce que vous l'avez vu, si vous regardez le Planet Rap en image sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock, il y a des petits visuels qui vont avec les morceaux, genre à chaque fois, yo l'UJI, on a 10 minutes pour rendre la preuve. Ah oui, ouais. Les covers des trucs. Les petits covers des trucs aussi qui ont été balancés un peu à droite. C'est pour de vrai. Hein.
C'est vraiment des messages envoyés. Ah ouais, ouais, on m'a pour Aou, on m'a vraiment dit, je sais plus ce qui s'est passé, il y avait une espèce de bug. Si, c'était pendant les grèves. Mmh. Il y a eu des grandes grèves en décembre dernier. Mmh. Et je sais plus, je crois que ça a impacté plein de choses. Et du coup, il y a eu une galère où on s'est retrouvé à devoir rendre le morceau plus tôt. On avait le morceau, mais pas le visuel. Et du coup, j'ai reçu ce texto en mode, t'as 10 minutes pour trouver une idée. On commence à fouiller les photos. J'ai fait, vas-y. Nique sa mère, je fais un screen du message et c'est parti, on a la cover. Je suis encore en train de me dire, mais toi en fait tu portes la poisse toi, entre les grèves, le confinement et tout, mais merde, attends, l'hiver veut pas de moi. Qu'est-ce qui se passe, merde. Luigi Pékin, bon, on va quand même attendre le 15 mai, aller chercher ou alors précommander, n'hésitez pas à précommander. Il vous le dédicace en plus si vous allez sur le site Luigi, donc n'hésitez pas, Luigi Pékin, le site c'est Luigi Pékin Store, allez faire un tour dessus et vous le recevrez dédicacé. On ferait pas un peu de live? Allez, un petit peu, ça va faire du bien, non? Il est temps de chanter. Parce que la surprise pour l'instant, a priori. Bon, là, on a déjà un morceau de PEK qu'on fait sûr. Mmh. J'attends confirmation pour la surprise. Je pense que c'est bien. Déjà, ça, la première belle surprise, en effet, c'est un titre inédit qui s'appelle Roxane. Toujours plaisir. Roxane, pourquoi? Pour. Petite référence à Police. D'accord. Au morceau. Dedans, il y a une petite référence à Claude François bien déguisé. Et pour expliquer vite fait, ça fait écho à ce que je te disais tout à l'heure sur les morceaux qui parlent à première vue plus d'amour, mais où il y a plusieurs lectures possibles. Et c'est ça, j'aime bien faire des, je sais pas, comme des parallèles avec des relations amicales, plein de choses comme ça et d'autres vibes. Et bien, allons-y. J'avais en tête un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour dans ce confinement, ça fait du bien. On dit tout, c'est romantique. C'est avec Luigi Pékin et le titre inédit tout de suite, c'est Roxane. Si tu es prêt, on y va? Avec Roxane ou Belinda, et s'il est 3 ou 6 du mat, c'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand sombre sont les idées noires, je suis seul sur scène avec les ongles de mes potes. Comme tu me freines, je me souviens d'aucune bonne époque. Y'a plus rien qui brille dans les poches, qui rime dans mes strophes. Y'a plus rien qui rime. J'ai écrit je t'aime sous ton pote. Gribou, on le trait du nom. J'suis pas le nombril, nombril du monde. Dans ma chop, j'écoute mon son. Dernière clope dans les poumons. Mon cœur de pierre fait le fond. J'ai pas peur de perdre, j'fais le con. Et t'y fais le contraire si le fond. Te pose pas trop de questions. La voix qui tremble quand ça monte en pression. Quand le sang coule, quand la bouteille n'est plus qu'un tesson. Et continuer serait indécent. Donc il faut que nous cessions. J'enchaîne concert, concert, bitchy, studio, session. La voix qui tremble quand y'a tout qui s'effondre. Ça fait longtemps que je suis pas rentré à la maison. Prends tout même la part des anges, fume ce que t'as sous les ongles. Comme c'est étrange, t'es vu ramper, ça ne me fait aucune émotion. Ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand son leçon, laisse-moi percher sur mon âme. T'es la dernière flèche de mon arc. Et là, elle regarde beaucoup trop dark. S'en va comme un souvenir qui marque. Laissez-moi percher sur mon âme. Du mat, c'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand son leçon, les idées noires. Avec Roxane ou Belinda, est-ce qu'il est 3 ou 6 du mat? C'est l'air de rien qu'on se fait du mal. Quand son leçon, les idées noires. Hey.
100 titres inédits. Donc le morceau qui va être dispo hein, dès ce soir, allez-y sur la chaîne YouTube de Skyrock aussi. Vous retrouverez ce morceau Roxane à l'instant. Très joli morceau. Quatrième, numéro 4 de. Numéro 4, putain déjà la semaine, oui, passe vite. Non, c'est vrai qu'on arrête la semaine le jeudi. Oui, vendredi, on diffusera que des morceaux de toi, évidemment, avec la partie PK. On va pas dévoiler Luigi tout de suite vendredi. Un peu de surprise. On mettra beaucoup de sons de Columbine, des morceaux à toi en solo. Et puis, les morceaux de PK, on les mettra aussi tous. Quand même. Ces cinq titres. Hop, 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 hop. Je crois que la surprise vient d'arriver. Tu crois que la surprise vient d'arriver ou pas? Pénétrer le studio. Oh là là là. On se check très loin, hein. Attention. Check confinement. Attention, tiens. Monsieur Lorenzo qui vient de tiens, prendre ce micro. Mais c'est celui-ci. Tu te souviens pas de ce micro, on l'a réservé, il est pour toi celui-ci. Ah, ça fait plaisir, c'est quoi, il y a un petit casque pour l'artiste bah. Et voilà, mon gars Lolo vient de te pénétrer le studio. Alors attends, est-ce qu'on peut récupérer un petit casque toi? Non, bah voilà. Ah regarde, ouais, il a pas de casque. Allez, prends. Ah ouais, c'est ma faute. Attends, en fait, faut que tu prennes la vis. Prends le casque, installe-toi. Donc, belle surprise. Il est là, il est venu, on a eu un petit doute, on s'est dit peut-être qu'avec le confinement ce serait compliqué. Non, t'es ouf, on est là gros, ça fait plaisir. Hein. Je vois que le confinement, toi, bah, tout se passe bien à la maison. Et gros, en vrai, moi j'ai pas trop vu la diff. C'est quoi, on m'a posé la même question tout à l'heure, je disais ouais, en vrai, moi ça faisait genre début du confinement. Ça faisait genre une semaine et demie déjà, j'étais pas sorti gros. Il a une voix bizarre, non? Ouais, t'as une voix, on dirait que t'es auto-tune. On dirait que t'as une voix auto-tune. La surprise est gâchée, c'est Corona ça, non? Je viens chanter un hit avec Luigi à la base gros, je suis pas passé juste dire bonjour, t'as vu? On est là, j'avais un peu d'autotune. Eh bah écoute, bah alors. Non, je te disais, moi, ça faisait une semaine et demie avant le confinement, j'étais pas sorti, gros. Ah, t'étais pas sorti? Non, et du coup, j'étais là le lendemain, je me disais, ah, vas-y, on va sortir un peu de la maison, gros. Et là, je vois les présidents de la République, gros, ils disent, c'est fini, sortez, hein, les gens. Ouais. Et du coup, bah voilà. Après, ça change pas trop live, gros. Moi, je suis Ram, ça. Donc, t'es, je t'es un petit qui peu plus. T'es avec le Yinche? Le Yinche, gros, le Yinche à la maison, ça va. L'artiste Rico, Yinche. Rico, je fais des Skype avec lui tous les soirs à 18h, gros. Et la soirée. C'était frérot, mais c'est toujours pareil gros, c'est Rico et la vie d'Aloca lui. On donc tout va bien avec Rico. Alors qu'il est pas au Bahamas du tout, mais chez lui c'est ensoleillé gros, son appart gros. Et le lien, j'ai vu que tu le faisais travailler un petit peu, j'ai vu quelques vidéos. Ouais, bah c'était pas folle la gueule gros, j'ai vu on m'a dit les animaux ils pouvaient pas attraper le coronavirus et moi j'ai fait un petit sac à dos à Lien gros et je l'envoie. Je monte sur le GPS gros et c'est marrant parce que quand je le balade gros, on passe souvent devant chez les Yankees. Du coup il se rappelle. Et il se rappelle. Tu vois la boulangerie là, tu vas à droite, tu prends après chez Momo et ça va. Mais ce qui me fait plaisir, c'était un lien que t'avais trouvé pendant le Planète Rap. Je me souviens très bien. À l'époque gros, et du coup en fait, à la base, je l'avais filé à quelqu'un, gros. Et il me l'a refilé. Et là, je vais peut-être le refiler à quelqu'un. Mais tout dans la bonne humeur, gros. C'est juste, l'autre, il est parti en voyage, je sais pas où, en Colombie, gros. Il a dit, j'ai pas emmené le lien, gros. Il va se faire bouffer. J'ai dit, ouais, c'est en blague, gros. Ramène-le. Et en tout cas, avec Rico, on s'amuse avec lui. Mais du coup, je suis confiné avec lui, tu vois. Ça, il prend pas mais trop de place. Mais je vois que tu prends bien soin de lui, en tout ouais, cas. Ouais, parce ouais. Que... Non, franchement, la vie. Il a bien grandi. Il a bien grandi. Il est. Non, pas trop. Mais, je vais le transformer en chien des stupes, gros. Ça va être le chien des stupes inversé. C'est normalement, ils vont chercher pour faire nickel mec. Et lui, il va juste chercher la Dewey pour me la donner, gros. C'est ça. Ça, c'est un plaisir. C'est un dressage de qualité. Bon, incroyable. Il pouvait pas mieux arriver. Merci. C'est une tout très belle dit. Surprise. Merci d'être déconfiné. Mais ouais, on garde nos distances. C'est un plaisir. Ouais, c'est garde, là, ça garde la distance. Ouais. C'est compliqué pour voir des miss en ce moment, gros, avec ce confinement. Ouais, mais. Attends, c'est Chaim, rien. C'est fini aussi, Chaim. Gros, c'est Tamara, gros. C'est là, on a fait maison à part, gros. C'est là, et le mariage et tout. Mais là, c'est à peu près la tête, gros. Elle me cassait le couille sur certains trucs. J'ai senti qu'il y avait 2-3 trucs, ouais, qui passaient. On va se revoir, gros. C'est ça, c'est la vie, c'est de haut et de bas, gros. Bon, on ferait pas un peu de live tous les deux, d'ailleurs. Moi, je suis venu ici pour faire une chanson. Alors, on y va, une chansonnette, une petite chansonnette et une jolie chanson. Qu'on a préparée juste avant l'émission. Ah oui, c'est je crois vrai. Que c'est le dernier morceau enregistré, celui-ci. Ouais. C'est ça, l'EP était fini. Mon gars m'a dit, viens, on fait un son. On a fait Let's Go. Et il s'appelle prod. Il s'appelle Ne l'abîme pas. On vient de choisir le titre. Ah, le titre était ouais, on n'était pas sûr. On voulait un autre truc, mais en fait, on s'est dit Let's Go. Let's Go, let's go. Eh bien, on y va. C'est parti en live. Et c'est la première fois que vous le faites en live. Hein, le morceau. Puisque c'est la première fois. Ouais, il n'existait pas. Il y a 10 heures, il n'existait pas. Et bien, on y va. C'est parti maintenant. Luigi PK, Lorenzo, Luigi PK. On y va. C'est. Si la famille comme Johnny Hallyday, vu comment a commencé l'année, on passera pas l'été. Qui vient payer la dernière Rolex devant son Bolloré? Comme mon blaze n'est pas écorché, il est ignoré. Comme un gosse d'Ada, j'aime pas l'autorité. Elle fait des bavures, pas celle des policiers. C'est le chiffre de ton album qu'on a fait sur le P. Si Luigi s'en va en guerre, qu'il attend sur le quai. On ne saura pas le monde avec nos refrains, nos couplets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, t'avais qu'à pas m'écouter. Au fond des abîmes, est-ce qu'on est abîmé?
J'ai plein de trucs à dire, mais ça ne veut pas rimer. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas. Avec maintenant j'ai le sourire. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas. Comment ça va? Je réponds à pire. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas. Non, 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 garde le fait de toi. Oui, j'envoie des filles de joie. Tous les soirs, la ville, ville me demande. Je suis dans la ville, ville, ville aux commandes. Je suis le paquet, elle mon kiki. Salut, t'es qui? Oki, doki, comme le hoki. J'ai le cafard, loki, loki, frais comme Picard. Ouais, la vie, j'évite les hommes, 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 hommes. Je suis beaucoup plus proche des folles, 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 folles. Eh, oh, je baisse mon flûte, je suis dans le truc, ouais. Pas le monde avec nos refrains, nos couplets. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais qu'à pas m'écouter. Au fond des abîmes, est-ce qu'on est abîmé? J'ai plein de trucs à dire, mais ça ne veut pas rimer. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas, ne l'abîme pas. Avec maintenant j'ai le sourire. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas. Comment ça va? Je réponds pas pire. Ne l'abîme pas trop, ne l'abîme pas. Ta la big ta pop, ta ma la bim pa 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 pa. Ting de la kika pop, ta ma la bim bam 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 bam. Ouh! À ça! Waouh! Ne l'abîme pas à l'instant! C'est. Ça aurait été dommage de s'en priver aussi de celui-ci. Exclu hein. Skyrock là. Grosse exclu qui ça, sera c'est... disponible. Peut-être douceur avant l'été, tu vois. C'est là où il commence à faire beau, mais les sons ensoleillés, ils arrivent maintenant, gros. Quand c'est ça va printemps. Sortir, ça va playlist. Bim, direct. C'est le printemps, c'est le printemps. Et puis en même temps, avec le confinement, en ce moment, on a besoin de ça. On a besoin de, voilà, on a besoin de morceaux. Ouais, confiné comme jamais, gros. Qui font du bien, qui soulage. En plus, vous l'avez entendu, c'est une version totalement spéciale, puisqu'il y a le featuring de la veste de Lorenzo. Ouais, pas... Queen. C'est le morceau qui Queen. Je sais pas si vous. C'est là, c'est le swag est total, mais. Incroyable cette veste. Texte, gros, mais. À vos frères. Ah non, mais ça, la veste. On dit qu'il a mis de la weed à l'intérieur. Là, tu te balades dans la street, gros. La meuf, elle fait ouah, la veste de ouf, gros. Le premier regard, il est pour la veste. Ah non, mais le deuxième, là. Il est pour le que mec qui la porte. Pas folle la game, gros. Tu connais. Je sais pas où tu as eu ça, mais tu es prêt en tout cas pour l'été. Je sais pas si pour l'été, mais pour. C'est Tony Lafrite de Bison 4 qui m'a donné ça, gros. Grosse dédicace à lui. Avec que des plumes à l'intérieur. C'est des plumes. Ou de la weed. Vu la couleur, je pense que c'est des plumes de perroquet. Ça, c'est les gens qui défendent les animaux, ils vont m'engueuler, mais moi, je savais pas, gros. Ça, je te dis, c'est ça de la weed. Donné, là, le perroquet était déjà mort, gros. Moi, j'adore les perroquets. T'as pas essayé de fumer les plumes là-dedans, là, les trucs? Gros, ça, c'est. Non. Je t'avoue qu'en ce moment, je fume des trucs bien plus ratales, gros. Mais si un jour il y a la pénurie avec le confinement, peut-être que ça va essayer de fumer ça, gros, je sais. Bon, tout le monde est assis, c'est quoi? Moi, je voulais juste le live ou je m'assois un petit peu? Pourquoi il a pas de chaise? Tiens, regarde, hop. Attends, faut qu'on Assieds-toi. Mais attends, t'es comme à la maison, tu peux prendre. On va sans autotune. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu prends ce que tu veux, t'es tranquille. Merci, gros. Voilà. Attends, je réfléchis, moi j'ai un. Ça va, faut que je parte dans 6 minutes, gros. Bah, c'est bon, on aura. Ouais, il y a un Kemé, il va me chercher en voiture, moi j'ai pas le permis, gros. Ah, bah ouais, puis là pour. À la flemme, gros. Est-ce que tu as fait ton attestation pour sortir et tout? Hein? Ah, t'as pas l'attestation? Non, c'est quoi Il faut le faire. Tu peux le faire en numérique cette semaine, tu peux aussi. C'est un permis pour sortir, gros. C'est genre, ils t'entraînent à marcher, ils font c'est bon, t'as sorti, gros. T'as le permis. T'as l'attestation, tu peux sortir direct, non, genre. C'est quoi un vrai histoire? Je te jure, c'est l'attestation, genre, tu vas rendre visite à une mamie, par exemple, quelqu'un en difficulté. Mais c'est bien de dire ça à la radio, parce qu'en même temps, je t'appelle pourquoi, par exemple. C'est peut-être les gens. Hey, c'est pas qu'on est en confinement. Logis, tu savais, toi, t'as fait l'attestation pour venir à la radio. Moi, j'ai entendu parler, mais. Bah les gars, non, il fait une attestation, faut ce genre. C'est quoi, ça fait quoi coches. Si t'as pas l'attestation? Ah bah c'est 135 balles d'amende. Ah gros, ma chérie, je m'en bats les couilles, gros. Ah bah. Ouais, tu peux aider, en effet, la France en a bien besoin. 135 balles, ouais. Ah, ça. Tu peux contribuer. Oh, quel motif, là. Et je crois qu'au bout de 3 ou 4 fois, tu risques 3000 balles d'amende. Ça monte. Petit à petit, ça monte. Ah, bah, c'est genre. Ah, ouais. Ouais, les farceurs, gros. Ah, bah, si t'as pas le papier 2-3 fois de suite, c'est 3000 balles, je crois, à la fin. Elles sont chaudes. Ah, oui, elles sont chaudes. Elles sont très très chaudes. C'est comme moi, je mets là les carottes avec la weed, mais pas des carottes pareilles, gros. Ah, bah, là c'est bien. Là, elle fait très mal, celle-ci. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot quand même sur le JPK? Est-ce que tu veux quand même ajouter, parce que votre histoire, c'est un de mes premiers copains dans le rap, gros. Non, ça faisait à peine du rap, on se connaissait déjà, gros. Moi, je soutiens fort, c'est là, j'attends les projets qui sortent, gros. Moi, je les ai entendus, je sais, c'est pépite, mais j'attends ça sorte, gros. Et merci. Yes, et merci à Lolo d'être venu, hein, malgré toute cette situation. C'était pas évident de faire bouger du monde. Ah, ça.
Mais non, mais ça fait plaisir, moi, ça me sort un peu de ma grotte, là, je suis bien, gros. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, d'ailleurs? T'écris, tu enregistres? Crois-moi, en vrai, tu veux pas le savoir. Ouais, je suis pas sûr que tu veux le savoir, mais entre autres, non, au-delà de les trucs soft que je fais, ça fume beaucoup. Mais non, surtout, en ce moment, je joue Animal Crossing, gros, à fond, là. À fond? Les jeux vidéo, ouais. Là, c'est jeux vidéo. Ouais, je joue à ça en ce moment, mais sinon, ouais, non, je fais du son un petit peu, là, je sors un son en avril, là. Ah. Je crois, c'est pas sûr encore, mais genre le 17 avril, un truc comme ça, je sors un nouveau son, gros, ça va être là. Je l'ai entendu, il est sale. Ouais, c'est. Il est sale. Je crois que c'est mon son préféré que j'ai fait, gros. 17 avril. Ouais, je crois que c'est ça. C'est pas sûr encore, mais je vais revalider, gros. Mais je crois que c'est 17 avril, ouais. 17 avril, sinon, donc, ouais. Et bah, il y avait une tournée. Sinon, j'ai un feat avec Kabay Gigi aussi qui sort le 10 avril. Ah, bah voilà. Sur le mixtape, là. Exact. Et puis le feat avec Luigi, 300 ce mois-ci, gros. C'est là, on n'a jamais été. Ah, oui, t'as charbonné quand même. Non, pas, en vrai, je me prends les couilles, gros. Franchement, enfin, je me prends. C'est une situation qui arrivait par hasard, 300 d'un coup. Mais non, en vrai, je me prends les couilles. Ouais. 300 d'un coup, en tout cas, on va pouvoir profiter de toi 300 d'un coup. Et je disais, bon, la tournée, parce que moi j'ai eu la chance de te voir, c'était à l'Olympia. La tournée, j'ai le mort un peu. C'est... Olympia, mais là, il y a une partie, malheureusement, qui est décalée. Normalement, il nous restait des dates à faire avant l'été, les festivals, et elles ont été annulées, gros, je sais plus. Il y avait genre Saint-Etienne, Biarritz, des trucs comme ça. Mais ça va être remis en septembre, là. J'ai déjà annoncé des trucs, et moi j'ai juste le seum pour les festivals, gros. J'avais trop envie d'aller faire sauter l'avion de Soul, tu connais. Et puis là, les festivals, j'ai l'impression que ça va être compliqué, hein. Ah, j'ai bien peur que, bon, on sait pas, pour l'instant, on sait pas, mais... Parlons pas de malheur. Voilà, parlons pas de malheur. On croise les doigts. Et on croise les doigts. Merci en tout cas d'être passé, Lolo. Franchement, ça fait plaisir de te voir à chaque fois. Le plaisir est partagé, tu connais. La dernière fois, le Planet, bah, t'étais venu au Planet Trap, on avait un bar. Il vient, oui, tout le monde vient. Parce que d'habitude on s'en enfile des longs. D'habitude, on est bien à ce temps-là. Mais... Vas-y, non, je vais y aller, moi, il y a la commune, il m'attend. En tout cas, merci de l'invitation. Merci vraiment d'être passé, Lorenzo. Et merci pour le morceau. Hein. Et le morceau qui s'appelle Ne l'abîme pas. Aircheck, l'équipe. Ah ouais, aircheck, c'est le aircheck, t'as raison. Plus merci d'être passé, Lolo, en tout cas. Voilà. Je suis content qu'on ait réussi à finir ce morceau dans les temps et de cette magnifique intervention du frérot. Ne l'abîme pas, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Lorenzo. Et il sera dispo sur la chaîne YouTube de Skyrock ou dès maintenant aussi en streaming un peu partout. Ah, celui-là, on va pas l'avoir en streaming, du coup, on n'a pas eu le temps de préparer. Ah, vous avez... bah oui, parce que vous l'avez fait à la dernière minute. Ah, bah donc celui-là, que sur la chaîne prêt, YouTube de Skyrock. Ouais, c'est ça le délire. Magnifique. Mm-hmm. Avant de se quitter, on finit avec un petit coup de die. Allez, je sauce chaud d'eau. Allez, c'est parti. Let's go. En pleine crise d'identité, je la touche qu'avec un titane. Je fais de la musique ou du social. Fais des fusibles et des câbles. Et t'as omis juste un détail, c'est le plus important. C'est dommage, j'ai vu la vierge sous l'orage. Tu es l'enfant à Dilorac, prends de l'âge. Rends-moi un dernier hommage. Navigue sur une flaque de Mola. Tu construis seul ton enfer. C'est en euros ou en dollars. Peu importe, sniff dans le billet vert. Je suis déjà passé là, mon pote, je crois que je suis perdu. Je peux plus faire semblant, tu sais que c'est hyper dur. Je suis resté planté là et on ne s'est jamais revu. Comment je suis censé voir ce que je n'ai jamais connu? Ouah, je suis die, die. La 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 la. Die, die. La 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 la. Nos destins vont pas se croiser. En mode parallèle, bipède, son string. Je vois que l'étiquette, ton flow chez l'antiquaire. Je me suis fait mordre par mon snake. On dira pas tout ce qu'on sait. Refermons la chambre des secrets. Et les backstage du concert. Est-ce que tu captes le concept? Mon phone ring, allô, qui sait? Shining, ascenseur qui saigne. J'ai le Blu-ray dans le lecteur cassette. Bienvenue dans mon monde parallèle. Mon monde parallèle. J'évitais la foule avant d'être en quarantaine. Je suis déjà passé là, mon pote, je crois que je suis perdu. Je peux plus faire semblant, tu sais que c'est hyper dur. Je suis resté planté là et on ne s'est jamais revu. Comment je suis censé voir ce que je n'ai jamais connu? Ouah, je suis die. À l'instant, merci pour cette belle soirée une fois de plus. Incroyable cette émission. Demain, ce sera déjà la dernière. Ouais. Parce qu'on arrête le jeudi, le vendredi, je vous le disais il y a quelques minutes, on diffusera des morceaux évidemment de PK. Yes. Donc les cinq titres inédits qu'on a pu découvrir et qu'on va découvrir jusqu'à demain soir dans l'émission. Donc vendredi, ce sera un spécial que du son de Louji PK. Ouais. À pas louper. Et demain, la dernière.
la dernière, le dernier morceau de PEK et le dernier soir ensemble. On va se régaler demain soir. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à toi. Merci, c'est un véritable plaisir de t'avoir. Et on va retrouver D-Fool tout de suite. C'est parti, c'est l'heure de la radio libre sur Skyrock. Mate les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.